Ô bon Père, nous crions à toi, Hosanna, ce matin. Hosanna, toi seul es élevé. Béni sois-tu qui sièges dans les cieux. Merci, merci, merci pour cette grâce. Et que pouvons-nous faire sinon que de crier Hosanna, Hosanna, puisque toi seul es immolé à la croix, à notre place, en notre faveur. Tu nous as aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Oh, que tu es bon, miséricordieux. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci parce que tu prends siège parmi nous. Merci parce que tu vis en nous. Et merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu remplis ce lieu. Et merci parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et c'est pour ça, papa, au fond de la mer pour nous traverser. Parce que nous sommes petit tout. Nous bénissons et matin, nous rendons action de grâce. Nous déclarer journée ça. Ces journées, côté n'a célébré ou, parce que c'est bon Dieu nous. Ou bon, ou bon, ou bon, ou fidèle. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce exclusive. Oh, merci pour ta grâce unique envers nous. Oh Seigneur, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour. Bénis ton peuple, bénis ton peuple, rends-le heureux. Bénis ton peuple, rends-le heureux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs et amis, bonjour. Eh bien, nous remercions le Seigneur qui nous accorde ce privilège heureux et extraordinaire de pouvoir être en sa présence, hein, pour l'adorer. Et témoigner qu'il est bon et qu'il nous fait grâce. Merci aussi à Dulka et à Judeline pour ce moment et d'adoration vraiment touchant. Merci aussi à notre frère qui est au piano, Wilberson, encore une fois. Merci à toute l'équipe et nous bénissons le nom du Seigneur. C'était bien. C'était bien. Hier, nous avons célébré les enfants, puisque nos enfants, nous sommes appelés à ce qu'ils soient épanouis et bien développés. Et dans le foyer de communion, nous faisons une place de choix aux enfants. Nous remercions toute l'équipe qui a contribué à ce que les enfants aient eu ce moment extraordinaire. Hier, nous remercions la famille qui nous a fait bon accueil. Oui, ça a été bon et je crois que les enfants ne pourront jamais oublier qu'ils ont passé ce moment extraordinaire. Et pour vous qui n'avez pas été là, je vous garantis que ce soir, dès 8 heures, vous aurez toutes les bribes de cette extraordinaire rencontre qu'on a eue avec les enfants. Hier, nous bénissons le Seigneur et l'occasion, c'est la journée nationale de l'enfance en Haïti. Eh bien, nous avons pu célébrer
et cet événement à la dimension de ce que cet événement devait représenter pour nous, pour nos enfants. Parce que nous pas d'accord, mon après les mon timon, timon comme Sim t'a dit, et parce que au timon, bon bagaille que t'a manqué. Non, les enfants, ce sont des personnes, des êtres humains, à leur stade, certainement, tout comme tout un chacun se trouve à un stade quelconque. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour nos enfants, et nous aimons beaucoup nos enfants, et nous prions que Dieu nous accorde toute la grâce nécessaire pour conduire les enfants sur le terrain de Dieu. Amen. Amen. Hier aussi, ça a été un événement mondial, hier, puisque hier, Manchester City a fait la saison pleine. Vraiment, c'est la preuve d'une performance rare. Et de toute l'histoire de la Première Ligue en Angleterre, c'est la deuxième fois qu'une équipe remporte le fameux triplé pour faire le carton plein. Ce qui est distinct, c'est la manière de réussir sans trembler. Bien que la finale n'a pas été aussi éclatante qu'on l'attendait, car l'adversaire résistait beaucoup et fort bien. Cependant, le nécessaire est fait. Une finale, ça se gagne. Ça se gagne. Et cette finale a couronné la meilleure saison, si vous voulez, la meilleure saison du meilleur coach de l'histoire. Oui, la finale est gagnée et non donnée. La finale est gagnée et non donnée. Contrairement à la grâce, Jésus lui-même s'est donné. Il s'est offert lui-même pour nous accorder des privilèges inédits, des privilèges uniques, des privilèges exclusifs. Il a dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah oui? Et la Bible ajoute, à peine mourrait-on pour des justes et non pour des pécheurs. Et la Bible dit, mourrait-on au conditionnel? C'est pour dire que ce n'est pas un fait réel. Parce que personne, même mauvais et tout mauvais qu'on pourrait être, on n'accepterait pas d'offrir sa vie à la place des autres. Même le mourant, sur son lit, certainement rêve encore de vivre. Il rêve encore de vivre. Alors que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la mort à notre place. Et la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Autrement dit, il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Contrairement à Manchester City, qui a fait sa performance, qui a joué sur le terrain, tout le monde a pu constater que l'équipe enchaîne des victoires, victoire sur victoire, victoire après victoire. On a vu la qualité du jeu proposé et finalement on dit oui, c'est bien mérité. Et qu'en est-il de la grâce? La grâce n'est pas méritée. La grâce est donnée. C'est pourquoi il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu. Donc, la grâce est donnée. La grâce est offerte. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? En réponse à un don, en réponse à une offre, c'est de pouvoir l'accepter, c'est de pouvoir l'accueillir, c'est de pouvoir dire oui, c'est de pouvoir croire. C'est tout ce que nous avons à faire. Et bien voilà, il y a plusieurs niveaux de connaissance,
plusieurs niveaux de connaissances. Prenons avec moi le niveau naturel, accessible au commun des mortels. En ce sens que, tout petit, même dans le sein maternel, eh bien, parce que nous sommes des êtres créés, il y a des bagailles que nous percevons, puisque nous avons des sens, n'est-ce pas? Mais au niveau de connaissance, tout qui sont au niveau culturel, n'est-ce pas? Que nous acquérons par l'éducation, n'est-ce pas? Et cette connaissance, elle est rationnelle. C'est la connaissance des faits, le factuel, accessible par la recherche, par la répétition, par la curiosité intellectuelle. N'est-ce pas que nous sommes capables de connaître aujourd'hui, avec le monde accessible sur Internet, tous les sujets sont disponibles. On n'a qu'à cliquer. Eh bien, le monde nous offre toutes les réponses à nos questions. Mais en quoi ce niveau de connaissance répond-il à nos besoins aujourd'hui? Le constat est triste puisque tant que nous cherchons à connaître, c'est tant que nous sommes devenus angoissés. Nous cherchons qu'on est pour nous comprendre. Nous t'allons même connaître ce qui va passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et m'a dit ou bien le peu de ça que vous acquérir, au lieu que lui aide ou pour que vous plus prudent, lui fait encore plus angoissé, lui fait encore à chercher. Vous dites waouh, vous venez encore plus stressé. Autrement dit, le niveau culturel de la connaissance, bien que l'y rende nous cultivés, bien que l'y rende nous capables d'ailler nous en place sous le soleil, bien que l'y capable de faire nous obtenir un job quelconque, mais m'a dit bien, niveau de connaissance ça, l'y pas satisfaisante, ok, puisque l'y pas aidé ou gérer ça pour qu'on vive en toute quiétude. Ou pas vivre en toute quiétude. D'ailleurs, tant que vous gagnez, c'est tant que vous cherchez gagnez. Tant que vous connaissez, c'est tant que vous cherchez connaît. C'est tant que vous voulez connaître. Soif la page satisfait. Mais que dit la Bible? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est un repos éternel. C'est un repos éternel. Vous mangez aujourd'hui pour répondre à votre faim. Mais un peu plus tard, vous avez encore faim. Demain tôt, vous avez encore faim. Mais quel est ce pain que Dieu donne qui répond à cette faim de l'âme et qui résout ce problème définitivement? Ah oui, nous allons répondre à cette question dans le niveau révélationnel de la connaissance. Ce niveau révélationnel, accessible seulement par une rencontre avec le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et sa dévotion à lui. Il est dit dans la Bible, l'Éternel, il est dit dans la Bible, ceux qui le craignent, et c'est pourquoi nous allons sur la table ce matin. Nous allons sur la table ce matin pour déguster ce plat révélationnel de Dieu, pour confirmer ce que j'appelle ce matin la source de la grâce. La source de la grâce. Vous vous rappelez que dimanche dernier, nous avions introduit le sujet de la grâce, la toute suffisance de la grâce. Et ce dimanche dernier, nous avons vu ensemble que la grâce seule, n'est-ce pas? La grâce seule, l'évangile seul, capable, n'est-ce pas, de sauver. On n'ajoute rien à Jésus. Jésus-Christ seul sauve, n'est-ce pas? On n'ajoute rien à Jésus. Tout ce qu'on ajoute à Jésus pour être sauvé devient esclavage. Devient esclavage. Un don est reçu, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Mais par sa grâce, bien entendu. Mais d'où vient la grâce? Quelle est la source de la grâce? Lisez avec moi
en Galates chapitre 1, verset 10, et jusqu'à la fin. Je peux sauter des versets, mais nous allons lire cette portion. Galates chapitre 1, verset 10, jusqu'à la fin. Il est dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, amen, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Je demeurai 15 jours avec chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage, au visage, de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Mais ça, amis, je dis à que nous parlons garder ensemble. La source de la grâce. Amen. La source de la grâce. Nous sommes parlé de plusieurs niveaux de connaissance. Le niveau naturel, n'est-ce pas? Un petit monde qui fait. Même si ou pas j'en montre le compte, comme mais arrivé à un certain niveau, je suis sûr que la il ne doit pas compter tout gros montant yo, mais il est quand même quelque chose. C'est ça que mon incapable muet et pourtant tout bal comme là et il garde il dit et il est capable d'avancer. Il y a un niveau culturel là tout ça on apprend par l'éducation, mais il y a un niveau révélationnel là tout ça bon Dieu dit où là. Bon Dieu révélé à vous. Et mais, nous autres lisons un passage là côté Paul, commencer par dire, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? M'a dit bien, premier détail que nous parlons, c'est la logique de redevance. La logique de redevance. Il y a des gens qui toujours cherché pour y avoir paternité. Ils ont toujours cherché pour que c'est eux-mêmes tout bien paternité. Pour qui ça? En façon pour que les raconter pour y dire que c'est moi qui ai fait telle ou telle chose. J'ai fondé des églises, vous savez. J'ai fondé des églises. J'ai ouvert des entreprises. Comme si, et il est capable de citer yon par yon en façon pour que il prenne paternité. Parce que ça va être gloire, n'est-ce pas? Ça fait tout le monde dire, ah, mais il est un géant, lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est un géant, lui. Oh, il peut former toutes ses organisations. Il peut fonder toutes ses églises. Il peut ouvrir tous ses business. Il peut. Au final, tous ses verbes sont à l'actif. Attendez ça me dit là. Tous ces verbes sont à l'actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait l'action. Il ne subit pas l'action lui-même, mais il le fait. C'est pourquoi il mérite là où il est. Il méritait place côté lié. D'ailleurs, il construit un pouvoir personnel à partir de ça. Mais Paul dit, écoute, plaire aux hommes et être serviteur de Christ, c'est paradoxal. Vous entendez ça me dit non? Plaire aux hommes et être serviteur de Christ, c'est deux bagailles qui ça m'a dit? Paradoxal. Parce que plaire aux hommes, pour Paul, l'étape de tout repos, pas tap gen moun qui t'a persécuté.
Parce que, avec Juifio, il t'a pas répété les sons que moun yo remet tende, ça yo toujours vle tende, pour yo konnen que ou applique la loi, même le, c'est pas vrai, mais c'est pour paraître pour dire que oui, ou applique la loi. Le fait que ou capable de réunir chaque samedi ou aujourd'hui, le jour du sabbat, dès le vendredi, ou commencer ou entrer dans le cajou, ou dire oui, c'est le sabbat, moun nan konnen que ou respecter des principes, ou respecter des lois. Mais ça, moun nan pas gardé le côté formaliste de la question. Yo pas gardé ça. Mais pourtant, le fait que moun nan senti que ou respecte comme si ou gon ligne que ou ka di 1, 2, 3, 4 bagay que ou fait pour mériter koto yé, yo commencé par respecter. Paul t'a approuvé et momentanément, yo t'a approuvé. Parce que nous connaissons ça très bien. Ou capable de plaire à un monde jodi ou servir m'a connait comment et puis demain si Dieu veut monde nan garder ou lui dit que li pa remen forme tête ou encore et qui sont pour faire dans ça qui sont pour faire dans ça et qui sont ca fait tout même monde nan qui fait ça mais c'est une personne à limite li limité li te ka quoi le tomber li te ka quoi que ou même ou te fait le plaisir et pourtant c'est pas vrai et c'est pour ça gagne en pile fois monde obligé passer des contrats pour dire ah même l'on parle même forme tête ça qu'on y a mais t'es gain des clauses dans le contrat que nous parle obligé respecter ou cap travailler en côté tout et puis ça on dit ou il a fait gain des balises que la loi mettait pour dire que non oui ou pas d'accord monde là encore mais pas gain problème mais règlement qui ça yo dit mais gain côté pas gain règlement ça non plus et bien comme on dit nous Paul est capable d'essayer de plaire compatriotes lio, juifio, de continuer à déclarer Jésus-Christ, c'est pas petit bon Dieu, tant pour l'autre juifio, et puis ça t'a fait que tu as toujours pas de faveur. Malgré tout, tu dois chercher, chaque côté arrivé là, le prêcher, premier ça fait rentrer dans la synagogue, là le parler. Mais pendant la parler de Jésus, il y a carillonnel avec coup de roche. Mais il proclame le message là, et voilà qui ça le dit Galatio. Tendez bien. Plaire aux hommes, ah, c'était capable d'un bon bagage. Mais il y a un contraste, il y a une contradiction pour que je sois capable en même temps de plaire aux hommes, en même temps de serviteur, bon Dieu. Deux bagages, ça ne va pas toujours marcher ensemble. Parce que être serviteur de Dieu veut dire qu'on est capable de dire au monde non tout lorsque ça ne va pas marcher, lorsque ça ne va pas cadrer avec la Bible, lorsque ne va pas cadrer avec conscience de foi que ou gagne, on est capable de dire au monde non, non. Et pourtant, soit plaire au monde non, ou obligé pas capable de dire non. Mais oui, ok? Plaire aux hommes de connaissance pour être connu comme grand penseur, comme on se dit nous. Ou capable de raisonner. Ou songez qui ça? Et Festus te dit Paul, ou Agrippa, il dit Paul, il semble que ton grand savoir te fait déraisonner. Parce que dit Paul, je ne comprends pas comment tu as fait café de tout savoir ça en même temps pour ta serviteur de Christ. C'est comme si pour Agrippa, on a qui gagne tout savoir tant que Paul pas ta capable serviteur de Christ. Mais m'a dit bien. Soit chercher pour plaire aux hommes. Je dis à un monde capable de battre bravo pour vous. Et demain, si Dieu veut, lui dit, mais tu sous quoi? Vous avez samedi ou? Mais lorsque serviteur bon Dieu, ah oui. Ou chercher pour faire bon Dieu plaisir et aussitôt bon Dieu entrer avec ou dans destinée ou. Tandis ça me dit. Donc, la logique de redevance, nous sommes redevables d'abord à Dieu. Ah, vous comprenez ça me dit là. Nous sommes redevables d'abord à Dieu et nous abrémer tout le monde. Mais dans la limite, nous comme monde. Ah oui, dans la limite, nous comme monde. Mais nous redevables d'abord envers bon Dieu. Et si nous redevons envers bon Dieu, nous conscients de ça, bon Dieu a fait cela à travers nous, l'après-midi à travers nous. Là encore, Paul dit non. Écoutez, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, c'est ça? Eh bien, il dit, si je t'a plaire au monde, qui ça t'a privé? Je ne serai pas serviteur de Christ. Abdou, bien amis, si vous voulez servir bon Dieu, ou mettre connait gen moun ou pa ka faire plaisir non. Si vous voulez servir bon Dieu ou pas capable faire tout le monde plaisir parce que tout le monde yo vle gon jan pouye. Faut marcher tête baissée. Faut que chaque fois ou moun nan pou comme ça
dans la rue à combat qui les papa là les policiers comme si pour bagarre li dit pour défaire li de la loi des principes ou bien de je ne sais pas quoi. Mais attendez bien amis, sous ces petits bon Dieu, ou pas continuer faire mon plaisir. Ou continuer faire tout le monde plaisir. Ou pas capable de continuer à faire tout le monde plaisir. Gon le fera point dit, écoutez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis redevable à Christ. Et c'est Christ qui est mort à ma place. M'bagé pour ma. Voilà. Et Paul pour parler de témoignage, lui, comme on se dit nous, logique de redevance là, parce que moun besoin qu'on redevable à yo. Ah oui. Mon besoin qu'on redevable à eux pour dire oh, on parle, on dit oh, c'est pas un tel, nous avons mouru à Gango. Oh, on va continuer à compter des gens qui disent ça. Mais c'est pas un tel qui fait tel bagaille pour moi. Oh, un tel ça. Mais écoutez, dis bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci. Je dis pour un grand envers personne qui fait du bien, attendez. Mais dis bon Dieu merci. Qui est-ce qui dit si c'est pas un tel ou pas ou t'as mouru à la fin? Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit ça? Est-ce qu'on peut quoi même monde passer à travers un tel, il a toujours passé à travers un autre moyen pour que lui te réponde à besoin comme petit lui. On pense que c'est un tel qui vaut la vie. Non. C'est pas un tel qui vaut la vie. C'est pas un tel qui vaut la vie. Non. Monde qui vaut la vie a relé Jésus. Il relé Jésus. Donc nous sommes redevables d'abord envers Dieu. Et Paul dit que si moi t'as doué, mettez dans tête moi, moi pour plaire à monde. Eh bien, moi, pas tape serviteur de Christ. Mais on dit ça. D'où vient la grâce? Paul Pral dit qui côté la grâce sortie. Verset 11. Il a dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, il dit, ce n'est pas une révélation naturelle. Attendez bien. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une connaissance naturelle. C'est pas moun qui m'a moins connaissance ça que moi gagne de Jésus-Christ là. Non, c'est pas moun. Et m'a tout dit ça zami. Si connaissance pour gagne de Jésus-Christ là, c'est un moun qui ba oul, ou pour qu'on connaît Jésus-Christ. Et dit encore, cette connaissance n'est pas naturelle. Et ce n'est pas non plus une réalité académique. Il dit, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je n'étais pas monté à Jérusalem pour aller prendre des connaissances de la main de ceux qui étaient appelés avant moi comme apôtres. Non, ce n'était pas une connaissance académique. Parce que connaissance académique, là, apprend nous faits, là, apprend nous apprécier les faits. Qui n'est pas mauvais non plus. Mais Paul dit, c'est par révélation. Amen. C'est par révélation de Jésus-Christ. Donc, Paul dit, je suis désigné apôtre par Dieu lui-même. Et non par quelqu'un d'autre. Oh, non. Il dit non, connaissance que moi j'ai de Jésus-Christ là, c'est bon Dieu qui m'a. Et c'est bon Dieu qui l'aime comme apôtre. Ça c'est Paul. Ok? Paul dit, écoutez, moi, Paul, le juif, le judaïsant d'origine. Nous là avec moi? Paul, juif et en même temps, judaïsant. Pour qui ça m'a dit deux bagailles ça avec ça? D'abord, les juifs parlent parce qu'ils sont mounes, parce qu'ils sont citoyens juifs. Est-ce qu'on l'a? Mais le judaïsant, c'est-à-dire que il est là pour transformer tout le monde en juif. Donc, il n'y a pas de samedi noir. Le judaïsant. Et comment la transformé en juif? Quand elle joue comme moun qui à l'église, li met bâton pour ou li met ou en prison pour tout, pas répéter l'autre nom ici, sinon que le nom des juifs, le nom de Moïse, parce que c'est nous pas besoin de l'autre monde sur territoire là. C'est ce qui était légal. C'est ce qui était légal. Ou dit ça, tout le monde bat, bravo. Ou tout l'autre bagaille tout, ou en prison. Paul dit, écoutez, tout se sait. Tout se sait. Moi, le judaïsant, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Mais Paul, et nous souvenez qui ça Paul fait? Les pour Étienne mourir, Paul, c'est un homme qui
avaliser ça, tuer, lapider. Mais pourquoi devait-il être lapidé? Parce que tout simplement, il dit, Jésus c'est petit bon Dieu. Il dit, il y a un monde qui pas quoi ça, ou a jugé pour ça. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Il dit, vous avez su comment j'ai persécuté à outrance l'église de Dieu. Il dit, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quelle transformation! Mais au verset 15, gardez bien opération. Ah oui, ça c'est une intervention chirurgicale, spirituelle, si vous voulez. Une intervention chirurgicale, spirituelle. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a appelé, qui a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Amen. De révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. Voilà, mais comment Paul lui-même lui vient apôtre. D'où vient la grâce, ami? La grâce, ce n'est pas une révélation naturelle. Ce n'est pas une réalité académique. Mais c'est une révélation, ça dit bien, souverainement décrétée par Dieu. Bon Dieu qui décide ça, attendez bien. La grâce vient du fond du cœur de Dieu, qui décide de ne point imputer à l'humanité ses offenses. Nous sommes les versets à Bondou, dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ. Qui t'aime citer pour vous? Lors de Romains 5, la justification par la foi, la paix avec Dieu, l'espérance de la gloire, la persévérance, la victoire, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors que nous étions des impies, la preuve d'amour, le salut, la réconciliation avec Dieu, la délivrance de la condamnation de la loi et du péché, recevoir l'abondance par la grâce, le don de la justice, la justification par la foi, la surabondance de la grâce par Jésus-Christ, par la grâce et par la foi seule. Mais la grâce, mes amis. Et bon Dieu fait tout ça pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, ah oui, tout ce sait qui m'ont dit qu'il y a une présence de tête qui dit pas j'aime péché. Tout ce sait, la Bible dit car tous ont péché. Pas de monde qui est capable de retirer tête dans l'eau ça. Mais le psaume 145, verset 8 et 9 dit, notre Dieu, il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde et il est plein de bonté. Il est riche en miséricorde et plein de bonté. Donc, amis, tout ce sait. Il y a un monde qui voulait que Fakou cherche paternité. Dans verset 16, il dit que non, je ne vais pas à Pierre, je ne vais pas à Jacques, je ne vais pas à Jean, je ne vais pas à Jérusalem, je ne vais pas à l'école pour ça dans le judaïsme, je ne vais pas à l'école à Jérusalem. Tenez bien, oui. Mais seul avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur. Verset 17, je ne montais point à Jérusalem. N'est-ce pas? Je ne montais point à Jérusalem. Mais je partis pour l'Arabie. Pendant 3 ans. Donc, comment ça veut dire? Des fois, amis, pour bon Dieu parler avec vous, demandez-vous pour un recul, lui. Pour faire un retiré, ou. Ah, pour faire un retiré, ou. Côté gain bruya, ou font déplacer de là. Côté tumulte, là, ou faire un déplacer de là. Pour aller seul avec bon Dieu, pour demander bon Dieu, qui ça pour comprendre? Qui ça pour comprendre? Et voilà que Paul secret ça. Est-ce que vous voyez comment Paul rivé quitter pour nous 13 épîtres dans le Nouveau Testament? Ah, mais secret. Paul dit, je ne suis pas monté à Jérusalem. Je n'étais pas allé à l'école pour comprendre tout ça. Mais par révélation, seul avec le Seigneur. Est-ce qu'on est son bien, amis, pour qu'on capable de gagner temps avec bon Dieu constamment? Est-ce qu'on est son bien pour qu'on gagne temps avec bon Dieu constamment? Parce que c'est bon Dieu qui est bon Dieu.
Et m'a dit aux amis, lorsqu'on est petit bon Dieu, ou apprendre qu'on est redevable à bon Dieu, ok? Ou apprendre faire virage à pour garder bon Dieu seul, ou pas le seul résultat que ça capable bail. Mais résultat ça capable bail. Verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jean, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Mais attendez bien, mes résultats, amis. Même résultat, regardez-le avec moi. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et qui ça a offert verset 24? Verset 24, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Mais les amis, qu'est-ce qui en résulte? Qu'est-ce qui en résulte? Hier, j'ai pu regarder et visualiser la dernière partie du match pour me garder comment les abris mettent trophée. Toutes. Décoration, belle fleur, comme on regarde sa feu d'artifice qui a tiré, pour y a dit, ouh, c'est comme si on adore. Mais qui on adore? Le Dieu du football. Le Dieu du football. On adore l'équipe gagnante. Tout le monde, il y a célébré, il y a voyé là, il y a monté. Moi qui ça, Paul dit là? Paul dit, mais qui est-ce moi? Je ne peux pas chercher faveur, monde. Parce que moi, je vais à bon Dieu, d'abord. À bon Dieu. Et parce que c'est bon Dieu m'a plaît, je connais ou capable pas content avec moi. M'a continué à faire bon Dieu plaisir. Ma douze amis, c'est qu'on va faire qui fait bon Dieu plaisir, continue à faire. Ou qu'on va faire qui fait mon adorer bon Dieu, continue à faire. Ou qu'on va faire qui fait mon dit béni soit l'éternel, continue à faire. Ou qu'on va faire qui fait mon senti, yo capable de connexion avec bon Dieu, continue à faire. Ou qu'on va faire qui fait tout le monde dit ah, ou c'est petit bon Dieu, oui, c'est bon Dieu, ça m'a pas adoré. Continue à faire. Continue à faire. L'autre monde qui a gardé à côté, il dit, oh, attends, regarde, papa. Agrippa dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Paul dit, oui, Agrippa, mais vous-même tout m'apprenez pour une chrétien. Vous-même tout m'apprenez pour convertir. Et pas seulement vous-même, non, tout le monde là avec vous. Et ma douce amie, continue à faire tout ça qu'on est qui glorifie bon Dieu. Et ma douce amie, tout ça va faire sincèrement pour bon Dieu. Tout ça va faire tout cœur pour bon Dieu. Bon seul résultat à la gagne. Tout le monde a dit gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tout le monde a dit, j'ai vu le Seigneur agir en lui. J'ai vu le Seigneur agir en elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, comment ça s'est passé? L'aime recevoir révélation, pas à chercher paternité. M'pas à l'école, à jeune Pierre, à jeune Paul, à jeune Pierre, à jeune Jean, à jeune Jacques, pour que me comprenne l'évangile, non? Révélation que bon Dieu m'a moyen. Mais elle dit, gardez ça privé, oui. Lorsque yon tout, yon apprenne que moi-même Paul, qui t'a persécuté l'église, et je dis ya, même a proclamé l'évangile, qui ça a fait au tout, verset 24, répétez ça ensemble. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. Il va dire, oh Paul, les Paul sont saints, Paul c'est un ange, ou bien Paul c'est un Dieu, ou bien Paul c'est un... Je ne sais pas qui ça, non? Qui ça a offert, verset 24, elle glorifiait Dieu à mon sujet. Zami m'a dit bien, mais seule raison qui fait nous rencontrer. Mais seule raison qui fait nous rencontrer. Et m'a dit ça, si nous t'arrivons, nous pas t'a rencontrer encore. Moi-même, m'a continué à faire même travail ça pour me dire, gloire à la Dieu. Parce que Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Quel est le nom qui sauve? Jésus. Quel est le nom qui sanctifie? Jésus. Quel est le nom qui pardonne? Jésus. Quel est le nom qui glorifie? Jésus. Quel est le nom qui donne la vie éternelle? Jésus. Voilà le nom que nous devons célébrer. Donc, quelle est la source de la grâce? Amis, la grâce c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. La grâce vient du fond du cœur de Dieu qui dit, je t'aime d'un amour éternel. La grâce vient de Dieu qui prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Samim, est-ce qu'on connaît la grâce?
Est-ce qu'on connaît la grâce, ami? Est-ce qu'on connaît la grâce? Ou même qui attend des messages, ça, est-ce que vous connaissez la grâce? Eh bien, la grâce, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a vivre dans où? Eh bien, la grâce, c'est Jésus. Et je dis, nous avons invité à la grâce. Nous avons invité à la grâce. Pour dire bon Dieu, papa, je reconnais que je ne suis pas capable de faire rien pour me faire plaisir. Je reconnais que je ne suis pas capable de faire rien pour que je gagne la vie éternelle. Mais je remercie vous parce que vous faites Jésus mourir dans la place. Moi, parce que vous êtes même pour que vous soyez capable de sauver. Pardonnez-moi. Bonne la vie éternelle. Qu'on fait Jésus mourir pour lui à la croix pour qu'il soit capable de moi là. Moi recevoir la vie aujourd'hui. Dans la main de vos amis. La source de la grâce, c'est Dieu lui-même. C'est le cœur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et au final, résultat, tout le monde dira gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Solideo gloriae. Solideo gloriae. Hein? À Dieu seul soit la gloire. Voilà, amis. Que le Seigneur vous bénisse et abondamment.